Vous savez que dans les océans, on ne connaîtrait actuellement qu'un cinquième des espèces marines. C'est ce qu'affirment des experts. Ah. Mais sur la Terre, il y a aussi des nouvelles espèces à découvrir. Cet été, dans la matinale, on a découvert un nouveau spécimen, le Willy. Vous savez, petite taille, plutôt nerveux, des petits cris aigus, oui. Des mouvements saccadés, des grimaces. Animal affectueux, en tout cas. Et propre. Et propre, voilà. C'est vrai. Bonjour, Willy. Bonjour, Aymeric. Bonjour à tous. Bonjour Willy. Non, c'est ce qui va me manquer le plus. Bonjour, Aymeric. Bonjour à tous. Bonjour Willy. Voilà. Et aujourd'hui, bah, votre œil se referme sur ces deux mois de matinale estivale. Aymeric, comme le dirait l'autre... Voilà. Oh non. Alors je voudrais tout d'abord remercier Europe 1 d'avoir osé mettre tous les matins à 9h une chronique intellectuelle. Connasse. Une chronique qui relevait le débat. Elles sont à toi ces deux jambes. À quelle heure elles ouvrent? Une chronique où on parlait des grands de ce monde. J'ai 50 euros la pipache. Une chronique qui regardait en face les vrais problèmes de notre société. Oh attendez le public, je vous lance ma culotte et ma soutane. Oui, une chronique courageuse. J'ai envie de me caresser le corps avec du oil of olaz en me donnant quelques coups de fouet avec une branche de yucca. Chaque soir, fumant ma pipe et caressant mon chat, et non pas l'inverse, hein, car fumer son chat et caresser sa pipe n'aurait pas grand intérêt. Elle n'aura jamais rien compris, celle-là. Bon, je me disais quel grand débat vais-je ouvrir demain? Vais-je parler de la famille, de l'écologie? Les férias de Bayonne ont été pour moi un vrai moment propice aux rencontres. Hey, bonjour monsieur! Mes connaissances sur les travers de notre société étant sans limite... Au secours, je me... Mais couille-je? Au secours, je me... Je ne vous comprends pas! Vous n'êtes pas un verre! Je n'avais donc, vous le voyez, que l'embarras du choix. Ma famille fut fière de ma mission accomplie, comme Clara, ma nièce de 17 ans. Allô, tonton! Aïe, j'ai trouvé un mec! Oh, il est trop beau! Tu te souviens de Garou? Le chanteur? Non, le loup! Oh, c'est le même! À chaque fois qu'il va mon cul, il fait ouh! Je vais te baiser! Alors on fugue à Bruxelles, tu te rends compte? J'ai toujours rêvé de voir les States, wouh! Génial! Timothée, hein, mon filleul de 14 Timothée. Ans. Il s'embrasse donc. Ma mère Cougar, qui sort en ce moment avec un nouveau jeune. Un peu très jeune là quand même, oui. Et Francesca, ma grand-mère calabraise, qui vous salue chaleureusement. Willy, si tu veux pas que je dise à tout le monde qu'à 8 ans, je t'ai vu en train d'essayer les robes de ta mère. Fini ta chronica. N'importe quoi, les robes de ma mère. Comme si c'était mon genre. C'était des jupes. Bon, en faire un flan. Enfin, je vais quand même finir très vite en embrassant Christine, ma victime favorite, qui a joué pour moi tous les rôles, même celui de Bison Concon, la femme de Bison Futé. Avec ça sur un CV, si tu trouves pas du boulot dès lundi, c'est que t'es vraiment... Oh non, là, je suis crédible. C'est que t'es vraiment Concon. Et là, j'aurais tout fait. Bisous. Comme un petit bisou. Bah qu'est-ce que t'as bouffé toi? Bon. Mais j'ai également bien sûr une pensée émue aux super techniciens. J'imaginais leur joie le matin quand ils se disaient: hey, on t'a envoyé un bruitage pendant la chronique de Willy, c'est génial. Je suis content d'avoir participé à leur évolution intellectuelle. Et bien sûr, je n'oublie pas notre meneur de revue, Aymeric Caron. Je voulais juste te dire voilà, il n'y a rien à rajouter. C'est un beau roman d'amitié qui commence entre nous tous. C'est vrai qu'habituellement, je ne suis pas très fan des... Souvenirs. Mais là, je garderai à jamais ces beaux moments passés avec vous. Je vous cœur, les amis. Je vous cœur, les auditeurs. Bravo, Willy. Merci beaucoup.